là sont nul doute ces derniers cris de ralliement qui auront encore un écho dans le monde syndical, puisque Pascal Todinou, secrétaire général sortant de la Confédération générale des travailleurs du Bénin CGTB, passe officiellement à compter de ce 6 janvier 2017 le témoin à son successeur, élu à la tête de la nouvelle équipe sortie des travaux du 3e congrès ordinaire de la CGTB. Devant le gratin des acteurs du monde syndical béninois, Pascal Todinou passe donc le témoin à Mondassir Bachabi, convaincu de la qualité de ce dernier à relever les enjeux et défis de cette confédération syndicale. Aujourd'hui, beaucoup de personnes non moins importantes se posent la question de savoir si le nouveau CN sera à la hauteur des défis qui attendent la confédération. Sans hésitation, je leur réponds facilement, mais fermement, oui. Un oui franc et sincère, et pour cause. Le Kamal Bachabi Mondassirou est un de ces anciens à mes côtés depuis fort longtemps, et ceci au poste du 2e secrétaire général adjoint. Il jouit d'une bonne admiration au sein des militantes et des militants de la CNTV. Il a la réputation d'être ferme, mais discret. Je lui fais entièrement confiance. C'est pourquoi je lui conseillerais d'être le vrai porte-parole des militantes et des militants de la CETB, et même des travailleurs en général, d'avoir le courage de supporter les incompréhensions d'où qu'elles viennent. Et elles seront nombreuses et basses. Dans l'espoir donc que la nouvelle équipe réussira à mieux conduire l'organisation qu'est la CGTB, Pascal Todinou transmet officiellement les attributs qui font désormais de Mondassir Bachabi le premier responsable de la Confédération. Camarade secrétaire général Pascal Todinou, comment ne pas être reconnaissant pour tous les actes que vous avez consentis pour bâtir l'édifice CGTB ? En ce moment où vous passez le témoin, je dis bien en ce moment où vous passez le témoin, et je l'espère, vous vous repositionnez pour servir à nouveau le peuple ailleurs. Je prie l'Éternel pour que dans tout ce que vous allez entreprendre, vous ne manquiez de rien, que vous puissiez avoir la santé qu'il faut. C'est vrai, vous allez manquer au monde syndical, mais je suis sûr que le monde syndical aussi vous manquera. Mais puisque vous êtes là, vous venez de le dire que quelle que soit votre position, vous ne marchanderez pas votre soutien. Je suis rassuré donc que votre généreuse habituelle disponibilité ne nous fera pas défaut. Enfin, merci pour tout, que Dieu vous comble. Camarades secrétaires généraux des confédérations et centrales syndicales du Bénin, je voudrais espérer que tel que vous avez porté la CETB dans votre cœur jusqu'au départ du doyen Pascal Todinou, vous ferez la même chose à l'endroit de l'équipe que j'ai désormais lâche. La lourde responsabilité de conduire. D'ores et déjà, merci pour votre générosité, merci pour votre accueil dans la grande famille. Désormais à la tête de la Confédération générale des travailleurs du Bénin, une équipe jeune composée de 29 personnalités syndicales, dont une femme, qui connaissent toute la maison CGTB, pour avoir été en apprentissage syndical pendant des années dans les arènes de la vie syndicale à la CGTB.